On a développé pour une édition ça jeudi à et bien a dit que 40 gouttes pour $1 américain, c'est principale revendication un groupe citoyen qui était planté piquet devant bâtiment Banque nationale République d'Haïti BRH jeudi mercredi 16 septembre. Reporter Mathieu Dovilmé, depuis Port-au-Prince. Moi c'est un businessman. Je suis un homme qui vit en pile misère. Je suis 4 personnes. Oui, ça, même là, c'est lui qui aide 4 personnes. Même si je suis un homme qui finit l'école là. Mais ça, même pour m'aider 4 personnes. Je ne vais pas vivre pour vivre, pour m'aider 4 personnes pour être capable d'avoir une vraie connaissance dans la vie. Mais quand même, faire effort. Pour être 4 personnes devant, il y a un grand goût. Je vis dans ma cité. Mais ça, ma vie, à 4 personnes au foyer pour fonctionner. Ça, c'est mal lié dans le pays. Et je suis là, je suis passé nos mains. Je suis Chili, je suis dans l'autre pays. C'est la caille, je suis supposé bien vivre. Je me demande pour qu'il y ait un changement là-dedans. Pour nous jouer une façon pour nous vivre, parce que c'est la caille nous. La caille, c'est la caille liée. Nous ne devons pas quitter le pays pour nous passer misère dans l'autre pays. Ça sont malhonnêtes liés. Je souhaite pour nous jouer pour l'argent descendre, pour nous jouer moyen, pour nous vivre, pour nous faire business. Moi, ce n'est pas l'État, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour me faire business, je peux vivre dans le pays. Dollar, toi, nous soudons nous. Nous demandons, va goûter la respirer en bas de là. Parce que là, nous regardons, j'ai la vie chère à augmenter, j'ai la misère à augmenter. Dans le pays, je dis à côté que la population haïtienne n'a pas qu'à vivre. Nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire, nous pas qu'à voir petit nous l'école, nous pas qu'à payer caille, nous pas qu'à faire rien parce que nous qui dans monde je dis qui représente nous qui ce sont des nuls qui pas prendre pièce décision en faveur population haïtienne. Je dis à nous venir devant DRH pour nous dire faut dollars descend pour prix produit au cas descend. Je dis à nous dire c'est pas si on deux trois gouttes mais faut dollars descend jusqu'à 40 gouttes pour $1. Aujourd'hui, nous avons besoin de 123 gouttes pour $1 américain, puisque nous-mêmes nous faisons partie de la politique de pays. Nous sentons que le peuple a un maras économique, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boire, il n'y a pas qu'à fonctionner. Qui fait que nous disons la revendication du passé, nous demandons pour que l'argent descende pour que $1 pour 40 gouttes. Et dans ce sens, qui fait que je vais donner du poids, détendez nous, et venir étant injecté. 47 millions de dollars américains sur les marchés économiques qui permettent que l'argent descende à 84 gouttes sur le jour d'hier. Mais c'est pourquoi c'est parce que je dis à ce qu'on vend 600 dollars ici, je dis à passer à 400 dollars et si descend plus bas toujours à 40 gouttes, ça veut dire que ça dit qu'il y a descend à 150 dollars, 175 dollars pour permettre que le peuple ait mangé correctement. Il y a un grand économiste qui déclarait que je dis à ton échange, c'est 60 gouttes qui est lié. Eh bien, si 60 gouttes, je vais venir à 84 gouttes, il dit qu'il descend. Si descend à 60 gouttes, nous-mêmes, quand on fait politique, quand on fait revendication, le peuple a passé, eh bien, il est arrivé jusqu'à 40 gouttes. Et il y a une possibilité pour faire 40 gouttes. Lorsque l'argent, ça, 150 millions de dollars américains, on va l'injecter dans l'agriculture, dans PME, petit moyen entreprise, pour que l'argent circule dans le pays, la diaspora, après l'argent, après la sécurité dans le pays, pour créer un climat de sécurité, ça va permettre que l'argent est stable dans le pays, et bien arriver à 40 gouttes pour $1. Toujours sur la même nouvelle, ça, ancien colonel Imel Ribu dit lui-même tout, il espérait que Gouda prend plus force devant dollar américain. Entendez, colonel Imel Ribu. Gouda est presque arrivé à 125. Mais quand il y a des de côté où aller, il y a des dollars où il pas besoin. Qui s'est passé? C'est brusquement, c'est pas production nationale qui a augmenté. Ça qui est ça? C'est moins ce bagage. Nous produit moins nous sommes pas mafialité. Son pile gros nèg qui chite goud la pas gagné, il pas gagné aucun coup fait mal, rien fait mal, dos fait mal. Son série de nèg gros derrière qui obèse qui chita sous qui te chita sous goud là et puis gon pile gros chef qui chita sous tête yo. Et puis malheur a pesé pas en bas. Aucun bagage, pas aucun économie. Ou t'as qu'à jouer ou monnaie t'as qu'à passer des différences ça en 3, 4, 5 jours. Maintenant, le voleur qu'on est, le président qu'on est, il a obligé de dire, il a parlé, on peut le voler à cravate ici. Donc, nous devons courir, il est malheureux, qui vole un petit bœuf ou un petit cabrit, il met en prison, il fait 5-6 ans, juge par un mouéli, et puis vrai voleur, il a marché, il a beaucoup de klaxons sur nous, tout le monde, nous connaissons.
dans l'état économique, il y a jodi a mouvement l'argent qu'a fait là pas refléter l'état économique. Dans l'état normal, tout économiste m'entend parler, jodi a donc normalement valeur dollar en Haïti il tournait autour de 55 à 60 gouttes pour dollar. N'a pas quitté capitale haïtienne dans Port-au-Prince pour aller dans visiter l'autre ville provinciale, Kazek dans département sud là, bloqué entre ville Okaï pour forcer l'état payer plusieurs mois à aérer salaire. Yon mouvement qui était bloqué circulation dans troisième ville pays a. Yon reportage Jean-Henri Liska depuis ville Okaï. Association Kazek dans département sud là bloqué quoi quatre chemins qui n'ont entré ville Okaï pour demander l'état haïtien payer au plus passé 10 mois arriéré salaire à 535 000 gourdes qui n'en font communaux une façon pour yo capable réaliser une série de projets dans section communale yo Kazek yo bail un ultimatum vendredi cap venir là à l'état haïtien sinon il a occupé béton. Pour nous faire voir nous passer, pour nous demander Jovenel Moïse comme président PIA, Kazekyo, pour l'opérer, la caillot, pour faire un yé. Nous revendiquons pour payer nous, saler nous, travailler nous, encourager nous. Nous bloquons, pour tout le peuple à ouéter, nous même comme Kazek, nous faire voir nous passer. Nous sommes à nous venir là, pas venir faire une show, mais nous venons pour nous faire un artiste, pour nous faire un aller, pour nous. Au plus tard, vendredi. 635 000 gouttes qui n'ont pas commis nous. Ouais, je dis à nous pas parler de 10 mois d'arrière de salaire de nous. Nous pas parler de 731 000 gouttes multipliés par 3 que l'on a dû par nous. Nous pas jambes par nous. Nous pas vu parler de ça, je dis. Nous vu parler exactement de 535 000 gouttes qui n'ont pas une collectivité pour réaliser des projets. Nous j'en dis à nous pas décidé par nous. Et si comme ça arrête au plus tard 37 ans, Kazek yo nan sud fè konnen si otorite yo pa satisfè revendikasyon yo weekend sa y a passé à l'action semaine k'ap vini la. N'ap signalé mouvement Kazek yo te fait nan kwa kat chemin Okaï te bloqué circulation pendant plusieurs heures temps côté machine pat ka ni monter ni descendre. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique Okaï. Nous parlons dans ville Gonaïve côté employé deux institutions l'état fermé bureau sa yo pour mander autorité yo paye yo plusieurs mois ailleurs salaire. Exagérément Gina pour plus de détails. La mairie et la direction sanitaire la Tibonite là, c'est deux institutions service public sa yo qui étaient à porte fermé depuis environ 2 semaines dans la cité indépendance là. Deux bureaux publics sa yo fermé à cause mouvement protestation employés ont fait pour exiger responsable paye yo plusieurs mois arriéré salaire. Dans le cadre mobilisation yo, employé mairie yo qui a demandé pour responsable administration communale là paye yo 12 mois arriéré salaire. Fermé porte mairie et puis boulet caoutchouc qui flambait porte entrée principale institution. Pendant journée mercredi 16 septembre, nous constatons porte mairie a toujours été fermée. Aucun employé ni agent exécutif intérimaire pas vint travailler. C'est même constat pour direction sanitaire la Tibonite là. En plus sur fermé porte bureau, employé centre ambulancier la Tibonite yo tant qu'ou infirmière, chauffeur avec secouriste qui a fait mouvement ça, yo même tout a demandé pour responsable MSPP yo paye yo 14 mois arriéré salaire avec lettre nomination yo. Dans le cadre mouvement ça, protestataire yo fermé porte DSA et puis écrit sous mur bâtiment en pile graffiti qui pas en faveur ministre santé publique là docteur Marie Gretawa avec directeur sanitaire la Tibonite là docteur Marcel Châtelier. Réseau ambulancier la Tibonite yo et mon réseau yo yo campé là y a manifesté côté que y a demandé l'état pour payer yo 14 mois de salaire plus les nominations. Parce que nous dit nous pas capable encore et c'est juste tout autant lettre yo pas venir dans département nous pas campé faut que l'état paye nous et puis voyer les nominations c'est comme ça est devant HPG avant l'hôpital de référence dans la Tibonite. Ça mon yo dit tout autant yo pas touché yo pas campé. Il y a demandé ministre Jout, ministre Santé, pour t'en décrire.
14 mois par 14 jours. 14 mois par 14 jours, 14 mois de travail sans toucher, nous dit nous pas capables encore. Parallèlement, élèves l'école publique, yo, en majorité lycéens et lycéennes, yo, nan Gonaïve, yo même tout sous béton an, depuis quelques jours, côté à exiger présence professeur dans salle classe. Exalus Mère Juna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Dans le micro 3, la Voix de l'Amérique organise dans la commencement semaine, nan, citoyens dans ville Fort Liberté exprimer inquiétude sous avenir pays. Correspondant nous, Jeudelet Junior Séville, te parlé avec citoyens ordinaires. Citoyens Silayo qui tap opiné sur réalité pays d'Haïti journée jodia montre yo inquiété en pile les ap gade sa kap passé. Insécurité a kap augmenté, la vie chère qui toujours là malgré taux dollar américain baissé, c'est parmi l'autre problème yo te abordé dans cadre micro 3 ça. Nous invité au suivre. Ce qui fait descendre nan gèlè c'est un côté chita, il pas chita nan mitan peuple là parce que moi-même m'acheter à dollar, m'acheter à gout, nous fait tous les deux expériences. Pourquoi j'aime rien qui descend nous? Pour sécurité, bon, nous ne pas parler de ça. Moun qui pi sécurisé en Haïti ou pas en sécurité. M'a pas dit que le peuple a vivre avec quoi. Vous voulez dire même président par sécurité? Non, président par sécurité. On ouais, ça, on prend par exemple. On police qui a veillé sécurité, pas en sécurité. Et surtout avec ça qui s'est passé là, la mort bâtonnier d'Oval, ou capable de comprendre que l'insécurité n'a pas un côté, il va privé. Là, regardez comment Batoni assassiné et qui côté encore dans le quartier présidentiel. Côté que la police présente, toujours gagne électricité. Le quartier présidentiel, c'est un quartier qui est sous haute sécurité. Et bien, Batoni arrive mourir là. C'est là où le président mourit tout. Bon, parce que c'est une réalité qui est assez triste pour nous être capables de décrire. C'est des signes qui montrent effectivement que le pays a lui-même n'est pas marché, quand il va bien marcher. Les que sécurité citoyenne n'est pas garantie, ça veut dire un peu de bagaille, non seulement pour vous-même comme individu, mais elle veut dire tout sur le plan économique, il y a des difficultés pour qu'il y ait investissement, pour qu'il y ait production et pour permettre que vous même soyez capable de produire, capable de consommer. Pour quelques petits machins, l'état bon, si vous avez des.